Yo les gens, c'est Fullboss, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui, on démarre une nouvelle série, une petite vidéo en solo. Donc franchement, ça fait plaisir de temps en temps faire des vidéos tout seul où on se pose un petit peu. J'espère vraiment que ça va vous plaire cette nouvelle série. Donc je ferai peut-être un épisode par semaine ou deux par semaine. Enfin, on va quand même laisser la place au court-métrage, mais on va pas en faire masse non plus, même si quand même, je vais en faire un petit peu. Alors en fait ce sera un skyblock, mais pas n'importe quel skyblock, c'est un skyblock modé. Donc vous pouvez voir déjà le générateur de monstres sur ma tête, assez classe. Donc du coup là on a un PNJ de vente avec tout ce qu'il faut pour un skyblock. Donc j'ai jamais fait de skyblock de ma vie, donc du coup j'ai jamais regardé de vidéo skyblock. Du coup s'il y en a qui se connaissent en skyblock, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je devrais faire et ce que je ne devrais pas faire en fonction de ce que je fais dans la vidéo pour pouvoir m'aider. Donc on va commencer avec la première île, donc on va l'allumer pour dire que c'est mon île et on va commencer. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue en solo ou que je fasse avec des abonnés. Je verrai par la suite. Du coup, c'est parti, let's go. On va dans mon île et du coup, ça, c'est mon île. Donc, on commence avec un seau d'eau, un seau de lave et de la glace. Du coup, je pense qu'il faut faire un truc à cobble, genre faudrait peut-être mettre un seau là et se faire un truc à l'infini, genre... Alors, attendez. Hop, déjà, on va prendre les lits. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Alors je pense qu'il faut faire ça. Et que là... Non. Normalement il y a moyen de faire une source d'eau infinie. Est-ce que là elle est infinie? Je pense pas. Voilà. Donc là on a une source d'eau infinie. Ça c'est fait. On a la petite source d'eau infinie pour commencer. Après ce qu'il faudrait faire... on a un œuf, peut-être pour faire spawner un poulet, je sais pas. Alors je sais pas comment... Alors l'eau peut me servir à quoi? Faut que je fasse un générateur à comment ça s'appelle? À cobble en fait. Mais ça je sais plus comment on fait, il faut un panneau. Du coup on va prendre du bois. Alors on va commencer par prendre du bois. Tac 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 tac. Et je pense qu'après on a un shop modé et tout, ça c'est assez classe. Et là-bas je sais plus trop où c'est là, c'est que d'île. Là-bas je sais pas trop ce que c'est, on ira voir après. Franchement j'espère que cette série vous plaira. Et à 100 likes, si je vois qu'il y a 100 likes cette vidéo, bah je vous mettrai l'épisode 2. Du coup voilà. Alors comment on fait un panneau? Du coup on va faire une table de craft. Excusez-moi, j'ai loqué, je sais pas pourquoi. Comment on fait déjà les panneaux? Je crois qu'il faut bâton. C'est où les panneaux? Les panneaux. Ça doit se mettre au fond, je pense. C'est le niveau là, non? Là. Ouais, il faut plus de bois. Ok, du coup voilà, on va prendre ça. Alors le skyblock, j'en ai fait jamais. En fait, j'ai juste regardé une fois une vidéo, c'était d'un youtubeur PS4, mais je crois maintenant il fait plus trop de vidéos. Je sais plus comment il s'appelait, mais il y avait peut-être 3000, 4000 abonnés quoi. Et du coup, bah, il faisait des assez bonnes vidéos. Et il y avait une série skyblock qui lui avait fait buzzer en fait. Une série skyblock, il a fait buzzer. Donc du coup, j'avais ça en tête et j'ai téléchargé une map il y a déjà longtemps. Ça fait déjà extrêmement longtemps que je l'ai. Mais là, je sais pas, j'étais tout seul. Je me suis dit, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas tenter de faire une série Skyblock. Bah ouais, bah voyons, pourquoi pas. Alors, je sais plus trop comment on fait. Faut bloquer la source. Faut peut-être mettre un panneau là. Là, on va faire ça. Et on va prendre des blocs. On va faire ça. Je pense, genre, faut faire ça. Et genre là... non. On va faire ça. Non. Ou alors faut mettre la... Ah non, ou alors... Attendez, attendez. On va récupérer l'eau. Alors là, il y en a, ils sont en train de dire, waouh, Fullboss, t'es nul. En plus, j'avais fait un tuto quand j'étais vraiment bas abonné. Il y avait plein de gens qui avaient kiffé. Surtout que j'avais un pack de textures, mais tellement classe à l'époque. Ouais. Par contre, je sais plus le faire. Du coup, c'est un peu le malaise. Ouais, bah je vous avouerai que je sais plus comment faire un truc à cobble. Parce que la cobble, c'est assez intéressant en skyblock, il me semble. Faut que la lave elle touche l'eau ou c'est l'eau qui touche la lave? Je pense que c'est l'eau qui doit toucher la lave. Mais de façon à ce que la lave, elle reste quand même. Enfin, c'est ce que je veux dire. On va aller au spawn. Vous savez quoi? On va aller au spawn. Tac. Donc ça, c'est que des îles. Resi Team, PVP, Blue Team. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est un skyblock en team, je pense. Welcome to the blessed, to the best. Donc je vous traduis. Bienvenue dans le meilleur skyblock modé. Règle 1, ne pas casser le spawn. Règle 2,
maximum 5 teams, maximum 5 personnes dans une team, ne pas build, pour jouer, to claim un escape block, ça j'ai pas compris, du coup voilà, PVP, j'ai pas compris, red team. Ah, en fait, c'est un skyblock où, genre, en gros, tu dois te stuffer et à la fin, tu peux te PVP. C'est assez classe. Du coup, on va retourner au lobby. On va se rendre dans la lobby numéro 1. C'est... Oh, merde. Lobby 1, c'est où, ça? Lobby 1. Hop, là. Donc, on va reprendre ce qu'on était en train de faire. Alors, panneau, on va le mettre là. On va mettre une source d'eau. Mais il faut que l'eau... Ou alors c'est pas un truc comme ça, genre... Et genre là, t'as la lave qui est en dessous. C'est pas ça, c'est pas ça. Et si j'enlève le panneau, il se passe quoi? Ah ah! Il y a quelque chose! Il y a quelque chose. J'ai peur que si je casse le bloc de cobble, l'eau, elle tue directement la lave. Et du coup, si je perds ma lave, bah, je me largue en créa. Direct. Alors, Lady, on n'aura pas besoin pour l'instant. Ça non plus. Ça c'est peut-être ça que oui. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une pioche. Alors, on va prendre du bâton. Tac. On va prendre ça. Et à l'avenir, je vais essayer de refaire comme avant. C'est-à-dire faire masse vidéo en map modé. Et enfin, là, j'ai vraiment plein de motifs à fond pour faire des vidéos, tu vois. Du coup, c'est assez cool. Là, on va faire une pioche. Du coup, ce qui serait pas mal... Et voilà ma crainte. J'ai fail. Du coup, vous savez quoi? On va se mettre en créatif. Je suis désolé, mais je suis obligé. Parce que sinon, je perds ma source de lave et je peux plus rien faire, quoi. On va dire, c'est un peu la base. Un peu la base des bases, tu vois. Du coup, on va pouvoir décaler ça. Je pense que c'est encore infini. Non, c'est plus infini. Ce n'est plus du tout infini, même. Vous savez quoi? On va faire ça, au pire. Pourquoi s'embêter à faire des trucs compliqués? Non, juste... Je cheat un peu, mais franchement, je suis obligé. Sinon, là, je suis un peu bloqué, tu vois, et c'est pas cool. Voilà. Donc, si on pète ça, par magie, ça fait ça. Et après, elle avance et ça te nique encore ta lave. Bon, du coup, c'est pas opérationnel. On fera ça au prochain épisode. Parce que pour l'instant, je suis vraiment nul. Et je regarderai plus tard comment on fait. Parce que là, ça marche pas. Du coup, on va se remettre en survie. C'était tout ça pour rien. Alors, comment je pourrais... Il me faudrait 10 pierres taillées. Ah ouais, il faut masse cobble. Skyblock. 10 fer. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud, purée. Je vous propose qu'on fasse quelque chose. C'est qu'entre l'épisode 1 et 2, je fais un live. Enfin, où je ferai hors cam, quoi. Soit en live, soit hors cam. En gros, bah, où je farmerai la pierre, mais comme un ouf, quoi. Donc. En hors vidéo, je ferai un petit live où, enfin, on verra, où je farmerai ça à mort et du coup on verra ce que ça donnera. Peut-être que ce sera efficace, peut-être que non. On verra. Donc pour l'instant on a fait ça. Bah, y a de la pierre là, je vais me servir. Pourquoi pas, on va prendre la pierre déjà qui est là, hein, franchement. Hein, pourquoi s'embêter à chercher loin si on a de la pierre juste à côté. Alors il y a plusieurs îles, donc du coup... Et aussi j'ai une idée de faire un Fallen Kingdom, mais je verrai. Ça pourrait être vraiment sympa de faire un petit Fallen Kingdom. Ça pourrait être assez cool. Hop. Et walou. Du coup on va, j'en vais un. Tac. Du coup voilà, le jour se lève. C'est parfait. La conserve est là, donc du coup ça c'est pas très grave. Avec 12 de cobble, on peut faire quoi déjà au shop? On peut s'acheter une terre, sauf que la terre j'en ai et j'en ai pas besoin pour le moment. La cobble, ouais bof. C'est pas ultra intéressant non plus, mais hey, ça c'est trop classe. Ça c'est classe. La bouffe, ça sera intéressant.
Mais faudrait un spawner, mais il me faudra un œuf et c'est chaud quoi, c'est chaud. Du coup, voilà, walou. Du coup, je pense qu'on va se laisser aujourd'hui pour cet épisode de Skyblock Modé. Alors, j'espère vraiment qu'il vous aura plu le premier épisode, même si on n'a pas encore fait grand chose. Pour la suite, vraiment, je vous essaierai de vous trouver ma sphère, vraiment qu'on se fasse ma stuff et qu'on invite des abonnés pour faire un peu de PVP, ce serait vraiment cool. Et qu'on farme vraiment avec des abos. Donc, du coup, s'il y a des gros farmeurs de Skyblock et tout, des gros tryharders. Et ben, je recherche ça, voilà. Pour farmer genre une après-midi entière sur du Skyblock. On verra. Bien sûr, faut des gens qui soient fair-play, joueurs et non tricheurs. C'est-à-dire que les bases, on peut pas dire d'attribuer une base. Enfin, elle est attribuée, mais moi, c'est ma base 1. Par exemple, si un abonné, c'est sa base 2, il peut venir dans la main quand même. Mais on essaiera de se faire un minimum confiance. Parce que la confiance, elle passe avant tout. Vraiment, on essaiera. J'essaierai de faire un truc bien. Et puis voilà, donc franchement n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à me dire en commentaire des idées de vidéos, voilà. Et si elle vous a pas plu, bah me dire pourquoi. Et puis moi je vous retrouve très 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 bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous dis à demain 11h du matin pour une vidéo. Ciao.